Road transport emissions have strongly increased over the past decades. They comprise almost 20% of all man-made CO2 emissions. With a globally growing mobility demand, especially in urban areas, transport-related emissions will grow by about two-thirds through 2050. The impact is huge. According to the World Health Organization, 7 million premature deaths every year are linked to the air pollution. Many cities worldwide exceed guideline levels for air quality. It is time to act and lower the health risk. We need to decrease traffic and we need to manage it more efficiently. Clean air is one of the many components for quality of life. How can we turn urban centers into pollution-free cities of the future? Mobility providers, governments, and vehicle manufacturers have the power to change things. Together, they can tackle air pollution through cutting congestion and decarbonizing transport. With our solution and services, we help cities make the right decisions. The city of Strasbourg in France is becoming one of the first cities in the world optimizing specifically its traffic light management in order to lower emissions of pollutants. This happens within a specific action plan called Strasbourg Ville et Métropole Respirable, Breathable City. The fact is that stop-and-go traffic on streets leads to the increase in emissions. So the action on traffic light management reduces waiting time and the number of stops of the vehicles. At the end, there are less emissions and congestion through that optimization. We can see the real-life effects of this by taking the example of Avenue de Colmar, one of the main traffic routes to the south of the city with six major crossroads, shown in a simulation using our program PTV VSIM. The waiting time of all users at traffic lights controlled by our software solution PTV EPIX is less than 45 seconds in 85% of the cases. This figure was close to 35% before the measure. Thanks to the optimized traffic light management, our simulation shows 9% fewer vehicle stops, 8% lower NOx emission, and 9% lower emission of small particulates PM10. No other measures in traffic management achieve such a significant effect at present. Alors, le centre de gestion de trafic, qui existe depuis maintenant 40 ans à Strasbourg, avait au départ un rôle purement dédié à la circulation automobile. Depuis des années, nous œuvrons au niveau du trafic en essayant de le fluidifier. La politique de la ville est aussi de promouvoir la multimodalité. Je pense que là, nous sommes arrivés pratiquement à ce que nous savions faire. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent peut-être de réfléchir à autre chose et de trouver des solutions pour qu'avec les véhicules qui continuent de circuler sur l'agglomération, on produise moins de pollution. Alors aujourd'hui, l'avantage qu'on a de déployer un système comme EPIX, c'est simplement que c'est des couches logicielles. Donc on ne remet pas du tout en cause l'infrastructure qui est sur le terrain. Il suffit de rajouter une couche logicielle. Il y a un travail bien sûr d'ingénierie derrière, de programmation, de paramétrage, mais le coût est relativement réduit par rapport aux gains que cela peut apporter. Donc on gère dans les 570 carrefours à peu près, qui permettent effectivement de réguler les entrées en ville. Mais on gère aussi à côté de cela, par exemple, les contrôles d'accès aux zones piétonnes, comment gérer le jalonnement dynamique pour diriger les gens vers les parkings et mieux les diriger. What is the next step? The next step is the implementation of PTV Optima for taking an overall view of the entire city, enabling to calculate emission forecasts in real time. Nous faisons aujourd'hui, en particulier avec le groupe PTV, une série d'expérimentations pour essayer d'éviter que les automobiles s'accumulent au feu rouge, qu'il y ait une meilleure régulation de la circulation lors des stationnements au feu tricolore. Cela est extrêmement important, cela doit réduire le niveau des pollutions dans la ville. La digitalisation des transports est une bonne nouvelle. Elle vient de pair avec l'évolution des technologies de l'ensemble des véhicules que nous rencontrons aujourd'hui. Et nous pouvons considérer que demain, non seulement cela générera des économies de temps pour nos concitoyens, une facilitation dans les usages, une sécurisation également, mais aussi une qualité de vie qui sera renforcée dans un cadre qui sera moins pollué. Nous essayons de rester pionniers sur un certain nombre d'aspects et c'est un travail de tous les jours. Mais c'est en cela aussi que nous avons besoin de correspondre avec des groupes comme les vôtres, que nous avons besoin de correspondre avec les autres villes du monde pour nous nourrir des expériences qui sont faites et qui sont extrêmement importantes et qui, je le crois en tout cas, produisent aujourd'hui une révolution qui est à notre porte.